Bonjour à toutes, ici Sky Galaxia. J'espère que vous allez tout bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le 18e épisode de Paper Mario. Alors on va au bois bonsaï. Alors, la forêt est encore énorme. Quel mec doit être un bon machin pour les affaires fermes ici. Alors. Quand j'ai vu ce masquage, je me suis dit que ce n'était pas bien grave que ce terrain comme masquage de plus. Et là, il sort une paille. J'ai cru qu'il me laisserait tranquille si je faisais semblant d'être un arbre d'habitude. Ça marche, mais cette fois, il ne s'est pas laissé avoir. Il va peut-être falloir que je reprenne quelques courses de théâtre. Et sur ça, je pense à lui. Okay. On a accompagné le Todd à secourir. Je suis le chef de l'escouade sur ta jambe. Nous sommes ici pour t'aider dans ton aventure. C'est ce qu'on essaie de faire au moins. Tu vois, il y a ce qu'on avait qui bloque ton chemin. Alors, on s'est mis en action. Mais aucun des 11 membres de mon escouade n'est encore arrivé. Je ne suis pas certain qu'ils aient reçu le message. Si tu as l'ordre de venir me retrouver ici. Eh ben. Et une petite étoile. Terminé le niveau. C'est bon. Bim. Allez, on va essayer. Allez, marmelade. Oh, salut Mario. J'imagine que tu n'as pas attendu la nouvelle. Ma belle locomotive va être démantelée bientôt. Je suis triste qu'on en soit arrivé là, mais vieillissons tous, n'est-ce pas? Le reste se dirige vers une infinité inconnue. Ça ne donne rien à continuer de marcher pas. Salut Mario, tu veux bien regarder un instant? Je crois avoir fait une découverte capitale. Il faut être très prudent quand on sort de la Terre, comme dit le professeur. Ok. Désolé, cette zone est morte. Ah. Ok, cool. Oh, c'est frustrant. Quand j'entends qu'on n'a pas le droit d'aller quelque part, ça me donne encore plus le goût d'y aller. Oh, aller demander au professeur si on ne peut pas aller fouiner dans cette excuse. Allez.
Et là. Voilà. Café curry. En attendant de voir ce qu'on peut préparer. Ok. J'explore, hein. T'as vu Mario, encore une tache blanche quand elle, j'aime pas beaucoup ça. Et mais ce serait pas des toads dans le milieu. Ouais, c'est ça la vie. Au fait, t'as pas spécialement quelqu'un à secourir, là, tout de suite, pareil. Parce que je veux pas que ça finisse. Que ça finisse jamais. Pas sérieux, moi aussi, je n'ai pour l'instant pas d'autre mission que de. Vous sauvez de la chair cruelle de l'astre du jour. Je dis, je crois que vous avez choisi d'avoir fait de 3 heures. On dirait bien que le temps est presque écoulé. Fini. Je suis désolé, mais je vais devoir faire une autre réservation. Bonne journée. Todd 5 de l'escouade de sauvetage nous rapporte. Il est temps de rejoindre le capitaine au bois Bonsaï. Pas un instant à perdre. Salut Mario. J'étais sûr reconnaissant de venir jusqu'ici pour me voir pour. Pour voir mon café, mais je ne peux pas te donner une table, ok? Je peux éventuellement te libérer un coin sur le bord à la rigueur dans 3 ans. Blague à part, faut bien dire, le café curé à l'ouragan en poupe, dès que j'ai dépensé sans compter, c'est pas tout le monde qui a autant de la situation. Ouais, mais c'est... Oublie ça, si je commence à faire une exception, ouais. C'est bon. Ok, on s'en va. Comme ça. Bon, on a trouvé un des homesteads. Un manque 10. Du coup, là, il faut qu'on aborde le prof. Oui, on voudrait bien une carte pour pouvoir passer. Salut Mario, le prof est rentré, il avait l'air tout content, mais je me demande ce qu'il a fait de princesse, elle n'était pas enrôlée. Il va en avoir besoin, je crois. Mon doux bébé, elle est partie pour toujours, boufou. Revenez à vous, professeur, elle n'est pas perdue, votre princesse. Vous voulez m'aider à la trouver, c'est ça? Merci de mettre votre quête des étoiles peintes en attente pour aller la rechercher, la princesse. Vous aurez besoin de ce permis pour accéder au site des cavations. Je ne crois pas que princesse s'y trouve, mais on ne sait jamais. Reviens à moi, ma douce. Voilà. Le permis.
Allez, hop. Non, attends, mais en haut. Ça, vous avez besoin de permis, ouais. Oh, vous avez un permis. Entrez, entrez, ne touchez à rien, à rien. Ne regardez rien trop fort. Ouais, mais avant tout, musez-vous. Oui, on va pouvoir voir tout de quoi tout le monde parle. Allez. Accéder, ouais. Oui, merci. Des fois, c'est un peu long. Hein. C'est merveilleux, tu vas nous rendre notre travail bien. Si tu peux voir de plus près, tu peux entrer parce que le trou est monté à l'étage. J'attends ça. Attendez, juste aller. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ok. Quand t'as plusieurs sorties. Et t'as senti ça? T'as des mêmes pour savoir qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est la chienne. Voilà. Oh, le tremblement de terre a brisé l'échafaudage. Pourquoi personne ne pense à l'échafaudage? Je sais pas. Bim. Ouais. Putain. J'allais en haut. Ok.
Mario, nous avons besoin de ton aide. De cet endroit est une zone de désastre après ce gros tremblement de terre. Au secours, les vibrations ont causé un effondrement et l'un de nos mineurs est pris au piège. C'est pas à ça que sert l'escouade de sauvetage. Où sont ces gars qui ont aidé? Je crois qu'on va devoir faire nous-mêmes, Mario. Ah, les entends plus fin. Ok. Nice. Allez, action. Non. Ok, c'est bon. Allez. Non. Ok. Ah, je savais. Allez. Non, come on, Mario. Allez, fuis. J'ai pas eu le temps de dîner tantôt, alors je grimpe un peu petit la personne. Du coup, ouais, ça fait 20 minutes, il y a une sauvegarde en plus, ça c'est nickel. Nickel, nickel, on va sauvegarder.
Alors, ben, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et puis on se retrouve très prochainement pour la suite de Paper Mario. Allez, je fais des gros bisous, bye.